Salut à toutes et à tous, c'est Flanou, on se retrouve aujourd'hui, on est sur le serveur Epicube. Je pense qu'on va aller faire un petit UHC, ça fait longtemps. Alors, UHC run, on va faire du 1v1 classique, on va voir ce que ça donne. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait du UHC. Donc on va essayer de retrouver les bons réflexes. Seul pour le moment. J'ai bien join en run. Oui, c'est ça. Run 1v1 classique. Run 1v1 classique. Salut Rodrigo. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, donc en UHC run. Non. En UHC run, il faut savoir donc qu'on est sous speed. On loot les choses en double. Quand on casse un arbre, il y a tout l'arbre qui se casse automatiquement. Et on loot tout plein de pommes. Les minerais se trouvent à des couches n'importe comment. À part la redstone, il faut vraiment descendre bas pour la voir. Voilà. Donc le diamant, c'est x2, je crois. De toute façon, ici, on a les drops personnalisés, les multiplicateurs. Vous voyez que le diamant, on le loot x2. L'émeraude, on peut en avoir 5 maximum et ça donne des bouteilles d'XP. Voilà, donc la viande, quand on tue un animal, c'est de la viande cuite, il donne du cuir aussi. Coucou. Je sais pas ce qu'il me veut lui, mais bon. Le gravier, ça donne des flèches. Et tous les minerais, en fait, que ce soit le fer, l'or, ça donne les lingots directement. Et ça en donne 2. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà. En gros, toute la bouffe est cuite, quoi, quand on la ramasse. Et les minerais, le diamant peut se trouver à une couche très haute, en fait. On n'est pas obligé de descendre, genre, à 12 ou 13. Bon, là, on va attendre, du coup, que les autres joueurs rejoignent. On va attendre tranquillement. Bon, alors, ça va commencer bientôt. Dans 120 secondes. Alors, en priorité, ce qu'on va faire, ça va être les pommes. Les pommes, il en faut environ une dizaine pour être bien. Pommes rouges, donc on va casser des arbres. Ensuite, on ira chercher du cuir. Donc le mieux, en fait, pour le cuir, c'est les cochons, parce que le bonus de loot de cuir est doublé. Ou les moutons. Les moutons, il y a aussi de la ficelle avec. C'est pratique pour les arcs. Et les vaches, en fait, c'est pas forcément intéressant en run, parce que, si vous voulez, le multiplicateur de cuir n'est pas effectif sur les vaches. Enfin, ça n'a pas été multiplié. Donc c'est pas ouf. Ah, il y a une bloute. Blocks qui trait là. C'est une bloute. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas dans le... Ah, oh, il est là. Ah, mais c'est un bloute, je pense. Je pense que c'est un monsieur bloute. Ma bloute, c'est une fille. Ouais, ça sent monsieur bloute. Allez, 30 secondes. On aura attendu quand même pas mal de temps. En général, les UHC run, comme ça se lance très très vite. Parfois, on a à peine rejoint la partie qu'elle se lance tout de suite. Bon, on va être téléporté en hauteur. Des fois, ça lag. J'espère que ça va pas bugger. Parce que si on se... Si on se décoreco et qu'on est en hauteur... On peut crever. Ça m'est arrivé une fois avec Dark, on était en UHC et je suis morte. Alors, où est-ce que je spawn? Les chiens qui chargent. Parfait, donc c'est dans une forêt. Comme ça, j'aurais pas à courir pour le bois. Oh, mais le spawn, il est là-bas. On est vraiment pas loin du spawn. Si on veut se rapprocher, j'ai vu de la canne, il y a de la bouffe et tout. Bah, on va prendre les arbres vite, vite, vite. Un arbre. Oh, il y a un cochon sur un arbre. Donc le PVP n'est pas actif tout de suite. Il est actif au bout de quelques secondes. Alors, première chose qu'on va se faire... Comme d'hab, je ramasse pas totalement mon bois, je sais pas pourquoi. Chaque fois, je perds du bois. Ah, on a déjà 3 pommes, c'est pas mal. On va se faire des tables de craft. Et là, je fail mes crafts complètement. Des tables de craft, j'en ai mis 2, c'est n'importe quoi. Donc, en UHC run, je fais souvent n'importe quoi, donc ne vous étonnez pas. On va faire une pioche. Donc vous voyez, les pioches, elles sont déjà enchantées en fait. Hop. Donne-moi mon bois. Allez. Parfois, si on a un peu de chance au début, on peut loot aussi des pommes d'or.
attention, c'est pas toujours de mon côté. Ok, là on a 5 pommes. Une autre là-bas, ok c'est ça. Bon, ça suffira en pommes, on en a une dizaine. Où est-ce qu'il était le porc? Le porc. Voilà. Alors les cochons. Eux, vous voyez, ils donnent pas mal de cuir, donc c'est intéressant. Donc on est en 1.8, hein. Donc vous voyez que je peux spam click. Voilà, cochon. Des bons cochons, des bons cochons. Voilà. Bon, il nous faut de la canne aussi. Il nous faut de la canne. J'essaye toujours vers 15-16 minutes restantes d'aller miner pour trouver mes premiers diamants. Alors, le minage en UHC Run, c'est particulier parce que soit on a tout de suite, ou soit on galère toute la game et on fait une game pourrie en fait. Mais après, disons que c'est moins punitif qu'un UHC classique. Puisque du coup on reste pas une heure comme ça quoi. C'est des parties d'une demi-heure. Donc dans ce sens c'est moins punitif, mais sinon c'est pas foufou. Quand on a vraiment pas de chance sur les grottes, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Pas de chance sur les grottes, on trouve rien du tout, pas un fer. Non, déconne. Pas un diamant plutôt. Et du coup c'est hyper compliqué quoi pour faire la game. Bon. Du coup, on va prendre le sable quand même, au cas où, si on croise un nether. En fait, les nethers en UHC run sont générés de façon spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont dans des grottes. Dans des grottes, vous avez un espèce de truc qui est un nether. Alors attendez, le centre, c'était par où? J'entends quelqu'un. Quelqu'un derrière moi. Ah, ok. Alors, il n'y a pas de PVP, hein. Toute la phase de préparation, il n'y a pas de PVP du tout. Donc, ça, c'est pratique. On va faire quoi? Bon, on va descendre ici, hein, écoutez. Cependant, faut se méfier, parce qu'il y a des petits malins qui essayent de nous tuer. Une fois avec Bloot, donc on était en groupe. Parce que vous pouvez faire des UHC aussi en groupe. Ça va jusqu'à 4, je crois. Par contre, 4, il n'y a pas grand monde. Et donc j'étais avec Bloot et on avait trouvé un temple du désert et donc elle est descendue pour aller chercher, looter les coffres et tout. Et il y a un mec qui est arrivé et qui a commencé à mettre du sable et tout pour l'étouffer. Du coup c'était hyper frustrant parce que il nous gâchait complètement notre game alors qu'on avait rien demandé. C'était très énervant. On va se faire une épée. On va faire quoi? On va faire un saut aussi. Le saut d'eau c'est primordial. Est-ce qu'on fait une pioche en fer? On va la faire. On va la faire, haha, quel drôle de jeu de mots. Allez, range ça, on peut craft tout de suite. Hop. Des petits bookings. Des bookings. Par contre, je répète, canne en plus. Faudrait que j'aille en chercher, limite. Qu'est-ce qu'on fait? On va remonter, ça, je m'en fous. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, de la canne, au cas où si on veut faire du sucre pour faire les potions de speed. On prend de l'eau, hop. Alors, on va faire des tables de craft, et puis on va aller miner. Ah oui, donc mon pack de textures est compatible, mais du coup, ouais. C'est pas forcément ouf. Allez, bon bah on va miner, est-ce que je vais continuer par là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre... une grotte ou un truc? Le mieux c'est les grottes parce que du coup enfin il y a les minerais visibles directement quoi. Là, on a 15 minutes restantes. Je pense que c'est très intéressant de faire ce que je fais là. En général il faut pas perdre de temps et là je fais n'importe quoi, voyez-vous, je casse un arbre à la pioche, n'importe quoi. Bon, je me méfie de rester dans mon trou. Des fois on part, on croyait en trouver mieux, mais finalement on n'était pas si déçus de ce qu'on avait. Bon, on va miner par là, hein, écoutez. Oh, oh les cœurs, attends. Bon, par contre, vous risquez de ne rien voir, je suis navrée. On va essayer de trouver du charbon, comme ça vous pourrez voir un peu. Attention au gravier de la mort. L'air de descendre bas quand même cette grotte. Oh, du diamant. Oh, il y a du diamant. Oh, il y a de l'or.
trop bien. Ça, ça fait plaisir. Non ! Ah oui ! J'ai cru qu'il n'y avait plus de diamants. Ok. On va pouvoir se faire la pioche déjà. C'est pas assez pour un plastron, mais... En plus, j'ai vu qu'il y avait du charbon derrière. Donc on va pouvoir vous éclairer les petites... la vue. Comme ça, vous pourrez voir. Ouais, donc le charbon, vous voyez, ça loue des torches. Hop. Je suis hyper motivée. Alors souvent quand je commence bien, entre guillemets, enfin quand je suis pas trop mal, c'est là que je fais n'importe quoi parce que je suis pas concentrée. En plus je vous parle donc... donc c'est pas vraiment la concentration de ouf. Hein. Bon ça va peut-être suffire en torche là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à miner? On mine tout droit? Mais on couche quoi? On est en couche 27. Oh, on est quand même assez bas. Les nether, en général, j'ai remarqué qu'ils étaient vers la couche 30. C'est vrai que cette piste de trou, là, il nous avait fait pas mal descendre. Du fer. On va se mettre le fer. Ça, ce sera fait. Par contre, l'or, j'ai que 4 d'or, quoi. Pas beaucoup pour faire une pomme. Ce n'est pas grave. Allez, il nous faudrait... maintenant, il nous faut du diams, il nous faut 4 psy pour faire la table d'enchante, il nous faut du lapis. Évidemment, le lapis, c'est un peu chiant à trouver en UHC run. Parfois, t'as tout, et là, t'as pas de lapis. Et là, tu dis, mais non, pitié, non. T'es tellement au bout de ta vie quand t'as pas de lapis. Alors, et une fois, on avait tout pour les potions et tout, on n'avait pas le verre. Là, t'as les potions de force et tout, et là, t'as pas le verre. T'es en mode, non, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais, une grotte, cool. J'espère qu'elle sera fructueuse, n'est-ce pas? J'espère qu'il y aura pas trop de mobs. En général, il n'y a pas vraiment beaucoup de mobs. Ça monte ici, est-ce que je vais voir où je descends en direct? Je crois que j'ai vu de l'opsy, ok, parfait, on va miner ça. On va miner l'opsy! On est trop motivés, le ouf! Il y en a ici aussi. Ok, ça descend jusqu'à la lave. On va prendre la redstone. La redstone, c'est bien, c'est pour augmenter nos petites potions, n'est-ce pas? Non! Elle est tombée dans le feu. C'est pas grave, j'en ai récupéré 4. C'est largement suffisant. On va remonter, on va se faire l'opsy. Donc, même vous voyez, le minage de l'opsy est vraiment très rapide. Bon, on va essayer de viser la charpe 3. Après, là, on est clairement en manque de diams. On n'a pas de lapis non plus, donc j'espère que la grotte va nous l'apporter. Là, c'est pas la folie quoi. On mange un coup. Ah, même niveau or, on est tellement mal quoi. Il reste quoi? Il reste 11 minutes. Bon, ça peut le faire, oui, tu tiens, oui. Ok, la grotte s'arrête ici, on va monter du coup après. Ah, c'est bête que j'ai pas de lapis là, j'aurais pu commencer à faire... C'est pas grave, on va faire la table. Hop! La petite table d'enchante qui va bien. Et puis, dès qu'on aura de la pièce, du coup, on s'enchantera. Hein. On va faire ça. Est-ce qu'on fait l'enclume? 1, 2, 3. Hop! Et on a notre enclume. On fera les épées après. Hein. Ça va nous prendre des slots. On va jeter ça. Bon, j'ai pas craft l'arc. Alors, du coup, on va monter ici. Hein, ça vous dit? Je ferais mieux de poser des blocs, mais bon, je mine. Hein, je sais pas pourquoi. Me demandez pas. Ok, c'est ça ta grotte? Ok, non, mais super. C'est bonne ambiance. Bon, alors, attendez. On va aller vers où? Ce serait bien de tomber sur notre truc, parce que là, niveau diamant. On est quand même pas mal limité. Bon allez, on va miner ici. On a un peu d'XP. Espérons tomber sur autre chose. On manque quelle couche? On est en couche 23. On est encore un peu bas, je pense. C'est mal barré. Mais bon, il reste 9 minutes. J'ai peut-être une chance de trouver... plus de diamants, plus d'or et du lapis. Surtout le lapis, il nous faut.
Ok, la dirt, mais je crave jamais de pelle en fait. Et à chaque fois je m'en veux parce que je tombe sur les trucs de dirt comme ça, tout pourri. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait de pelle? Ou voilà, les trucs de gravier tout pourri. Ah, mais limite, le gravier, on va s'en faire pour avoir des flèches. Hop! Un peu de flèches. Hop, donc la technique de la torche qui est bien pratique. Vérifier au-dessus s'il y a plus de minerai. Allez, on continue. Oh, du diamant! Oh oui, on va pouvoir se faire un plastron. Est-ce qu'on le fait maintenant? On a pris 4 coeurs quand même, hein, mais bon, là, on risque pas de croiser de mobs. Ah, ça m'embête, il me faudrait le lapis. Hein, il me faudrait ce lapis. On va faire un plastron. Plastron qui est la pièce la plus importante. Logiquement, à la fin d'un UHC run, tout le monde est full diams. Hein. Après, faut vraiment pas avoir de bol, là, comme moi, je suis dans les cavernes de la mort. Oh yes! Oh yes! C'est quand je dis ça que... Oui, oui, oui. On a de quoi faire un pantalon. Est-ce qu'on a de quoi faire autre chose? Un petit pantalon. Hop! Il nous reste 2 diams. 3000 XP, là. On va jeter ce caca. Hop. Est-ce qu'on se fait l'arc? La dirt, j'en veux pas. Et toi, j'en veux pas. Et toi, j'en veux pas. Non! Restez! Pourquoi vous n'êtes pas allé dans le trou, vous? Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit qu'on allait faire quoi? On va peut-être se crafter la pomme. Donc, les pommes en or, si elles sont consommées avant la TP du meet-up, elles rendent 4 cœurs. Donc là, vous voyez, il me manquait 4 cœurs, ce serait parfait. Qu'est-ce que je voulais faire? Oh, je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah oui, l'arc. Alors l'arc, je me trompe tout le temps. Je crois que c'est dans ce sens-là. On va en faire 2. On va être quoi en faire 2. Verra bien qui verra bien. Voilà, ça c'était le proverbe du jour. Verra bien qui verra bien. Allez. Minon, t'as une petite fourmi. Il reste que 6 minutes. Oh là là, t'es pas full games, Flan. T'as même pas de la piste. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'as pas de lapis? J'ai pas de lapis. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais mourir. Je vais mourir comme une gogole. J'ai pas de lapis, ça veut dire épée. Épée fer. Oui, épée diams. En fait, il me reste 2 diamants. Huh, cool. Cool ta vie. Non mais, je vais pas tenir. Enfin, une pomme. Sachant que la pomme, je vais la bouffer parce que il faut que je régène. Non, non, il me faut absolument une grotte là. Absolument une grotte. Parce que là, c'est pas l'UHC de l'amour, comme dirait Dark. Là, c'est l'UHC de... Oh, du diamant. Oui, oui. Oui, je t'aime, diamant. Oui, je t'aime. Oh, oui. Alors, on va se faire un casque et des bottes. Pourquoi tu veux pas me faire des bottes, toi? Ah, fais-moi des bottes. Il a pas voulu m'obéir. Oui, alors là on est full diams, on est content, mais on a toujours pas de lapis. Donc on n'est pas trop content non plus là. Allez, il nous faut du lapis. Lapis. Viens mon petit, lapis. Bien sûr, nous appelons le lapis lazuli et pas autre chose. Oh! Une faille hyper dangereuse, moi, mettre de l'eau. Glou. Non, a priori, il n'y a pas de mob, donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. On récupère la flotte. Je sais pas si ça sert que je descende, ça serve que je descende si bas, il me faut juste un peu de lapis, quoi. Un peu de lapis, quoi, s'il vous plaît. Hein. Bon, attends, il y a de l'or là. On va le faire. Donne-moi de l'or encore. Oh oui, j'ai de quoi faire une autre pomme. On va manger celle-là. Oh oui, encore de l'or. Oui. Oh! Vous entendez ce que j'entends? Ça, c'est un miseur. Et ça, ce sont des blazes. Est-ce que je l'ai fait ou pas? J'ai pas de lapis, je suis pas enchante. Je fais des...
Je fais le nether ou pas? On est fou ou on est fou? Attendez. J'aimerais bien juste regarder vite fait s'il n'y a pas d'abysse. Parce que vraiment là, c'est la caca. C'est la caca quoi. Attendez, on va regarder vite fait. Et si vraiment il n'y a rien. Oh du diams. On crache pas sur du diams en rab. Non mais en vrai quoi. En vrai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a jamais de lapis dans les coffres du nether. Je crois pas. Je crois pas. Bon, on va se le faire. Vous savez quoi? On n'a rien à perdre. Là, on est comme un caca. Y'a rien là en dessous. Bon. On va se les faire, les blazes. Vous êtes chaud? Pire, on aura des potions. Ok, je vois rien. Des vieux bugs d'affichage, là. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça! Ok. Où est-ce qu'ils sont? Oh, j'aime pas quand je sais pas où je spawn. Ils sont où? Ok, il y a un zombard aussi. Non. C'est trop nimp. J'aime pas du tout la configuration de ce nether. Ah, attendez. Parce qu'avec les bugs d'affichage, je reconnais. Je reconnais pas du tout les plateformes et tout, en fait. On va passer par là. Juste, hop. On va essayer de les entendre. Je crois qu'ils sont au-dessus, hein. Je crois qu'ils sont un peu au-dessus. Ils sont au-dessus en fait. Ils sont clairement au-dessus. C'est pas du tout là comment je m'y prends. Il reste 2 minutes. Vous croyez qu'on va se faire les blazes en 2 minutes? Je crois que j'ai pas le temps là. Est-ce qu'on a qu'on spawn ici? Waouh! Oh là là, mais y'a masse or. En fait, le temps que j'ai réfléchi à prendre des trucs quoi. Oh non, il me faut l'or là. Il me faut l'or. J'en ai vu de l'autre côté, vite. Oh là là, il reste qu'une minute cinquante. C'est trop la merde. On n'a même pas nos TP de fête, on n'a pas de lapis. Donc vous voyez les UHC, comment ça peut tourner. Oh, on spawner à zombard. Ouais, salut, ouais. Ça va, ils m'ont pas vu, mais il y avait un bébé. Bon. Que fait-on? Je vais peut-être faire déjà mon épée en diams. Et crafter mes pommes, au moins ce sera fait. Et je risquerai pas. Enfin, là franchement je suis un peu. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est les lois de l'UHC. C'est les lois de l'UHC. Ah, mais attendez, je crois que normalement on peut avoir des diamants enchantes. Comment c'était déjà? Je me souviens plus, on avait vu ça avec Dark. Je crois que vous mettez un diamant comme ça et. Non, là, ça marche pas. Ok, super, cool. Ta vie est trop cool. Sérieux, ça marche pas quoi. Plus j'avais tout, j'avais la redstone là. Il nous manque que le lapis et. Ah, bon. En nether, en 5 minutes, j'ai déjà fait, mais en 2 minutes, ça fait trop rush, ça fait perdre trop de cœur. Du coup. Je suis quand même dégoûtée, là, je vous le cache pas, je suis bien dégoûtée. Mais bon, tout ça parce qu'on avait de la piste. Une fois aussi, j'avais tout pour m'enchanter, j'avais de la piste et tout, il manquait que la canne. C'était horrible. Bon, dans 10 secondes, on va se faire laminer la tronche. On va reboucher, suivez-le. J'ai laissé ma table d'enchant en plus, donc si j'avais un moyen de m'enchanter, bah non, c'est mort en fait. Bon alors attendez. Pff, on avait tellement de possibilités quoi, on a 9 diamants en plus. Bon, on va ranger notre inventaire. En plus je lag un peu, je suis désolée si c'est pas hyper agréable. Donc on résume, je n'ai pas de potion, je ne suis pas enchante. Ceci dit, je suis full diams, donc c'est pas non plus trop mal. Mais qu'est-ce que ça lag là? Ouais, c'est vraiment lag. Oh, c'est mon PC qui a décidé de. Bon, attendez. Je me rapproche du centre. Ça va être horrible les combats avec un lag comme ça. Ça va être vraiment, je vous le dis.
Ça va être infâme. Déjà, je sais pas où je mets les pieds. Super. S'il te plaît, des lacs, quoi. Tu veux? Tu veux pas? Tu m'aimes plus. Un PC. Hein? Un PC. Tu ne crois plus en moi? On va se faire bousiller, hein. Je vous le dis. On va se faire bousiller bien comme il faut. C'est pas grave, on n'a pas peur. On n'a trop pas peur du tout. Hihi. En plus, je dois être une cible de choix puisque je ne suis pas enchantée. Donc... Bon, après, en général, les cibles de choix, c'est les mecs en full fer là. Mais enfin, Diam sans enchant. Autant dire qu'il y en a qui ont du P2, P3 en face, du Sharp 4. J'ai déjà réussi à monter en Sharp 4 en run. Bon, on va bouffer une pomme, hein, écoutez. On en a plus rien à secouer, on ramasse le TNT des autres. Rien à foutre, rien à foutre. Allez. On se dirige vers le centre. Le centre de l'UHC. Allons-nous survivre? Je pense que non. On fera même pas un kill, t'es. Oh. Oh. Quelle nullité. Je ne vois aucun joueur. Où êtes-vous? Ok, il y en a un là. Il joue Kana en plus. Super quoi. On va manger une pomme. Il joue Kana. Ça va être trop génial. Pff, il va nous faire les fesses. Mais grave. Et voilà, c'est la mort. C'est la mort assurée. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, on va y regarder ce fight maintenant. Je déteste les gens qui jouent avec la canne à pêche. Vraiment. J'aime pas du tout. Bon, après, ça fait partie du jeu, hein, mais... Mais bon. Alors, mon petit butch digger. T'as un nom vraiment très charmant. Bon, il va voir que j'avais rien dans mon stuff. Bon, mieux fait de tuer lui, là. Lui fait quoi, il trie aussi. Il est pas mal qu'il était pas enchanté, en fait. Ixchei, là. Allez, on va regarder le combat. Ok, TNT. Ok, ok, ça joue comme ça, ouais. Ouais, ils sont tous les deux à la cana, je crois. TNT, ouf. Ouf, 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 ouf. Et sa pomme. C'est vrai que j'avais mon arc aussi, j'aurais pu le spambo, mais bon, j'aime pas trop ça. J'aime pas vraiment. Ça dure 15 ans les combats parce qu'en fait la map est grande, ils ont le temps de tempo, se retirer, manger une pomme, etc. etc. Oui, les effets de potion. Non, c'est les effets de la pomme. Ils mélangeaient avec la potion. En fait, quand on meurt, ça loot une espèce de potion qui donne l'effet en fait de la pomme d'or sans la régène, c'est-à-dire qu'elle donne que l'abso quoi. Donne 2 cœurs d'abso. Ça joue Kana ici. Pff, oh là là. Alors ça, je trouve vraiment pas ça intéressant quoi. Les cannes à pêche. En fait, pour réussir à gagner sur contre des joueurs qui jouent Kana, il faut forcément apprendre à jouer Kana parce que. Ou à le contrer avec autre chose, hein. un bon arc flame avec un bon power, je pense que ça le fait. Bon, écoutez, on va se laisser ici pour cette UHC de la mort. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Vous avez vu ce que c'était le pire scénario du UHC. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas, ou à me donner des conseils aussi, parce qu'on connaît pas tout non plus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!